Chers téléspectateurs de MRE24, le DST du Maroc ont récemment attrapé un groupe de terroristes à El Jadida. Le DST est mondialement connu pour leur efficacité des détournements des terroristes et de la sécurité au Maroc. La question du jour est, pensez-vous que le Maroc est un pays hautement sécurisé par rapport au terrorisme? Venez avec nous, nous allons découvrir leurs réponses. Voilà, je trouve que le Maroc c'est un pays sûr parce que depuis qu'on entend des attentats, j'ai jamais entendu quelque chose de grave au Maroc. Et la dernière fois, c'est même que, à partir de leur agence service secret, qu'on a trouvé les terroristes. Donc je trouve que c'est un pays sûr. Voilà. Pour moi, le Maroc, je pense que... Enfin, j'ai été il y a 3 ans là-bas. Mais quand j'y étais, j'avais pas de soucis de sécurité, rien du tout. J'ai été pour un projet humanitaire donc, pendant 2 semaines. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème. Je me suis sentie bien et je pense que bon, maintenant, c'est vrai que c'est une question importante. Mais voilà, je n'ai pas été récemment. Mais je pense que maintenant, si on me dit est-ce que je vais en vacances là-bas, je ne pense pas, avoir peur ou me dire tout de suite je pense qu'il y a de l'insécurité ou et voilà quoi, quelque chose comme ça. Et vous ? J'ai jamais été au Maroc, mais je pense que jusqu'à présent, le Maroc est parmi les pays en Afrique où la sécurité est vraiment assurée, garantie. Donc si jamais j'ai l'occasion d'y aller, ben, j'irai volontiers, quoi. Merci. Et vous, avez-vous quelque chose encore à dire ? C'est pareil. Donc si je vais au Maroc, j'aurais pas du tout peur. En tout cas, c'est un des pays où j'aimerais aller. Donc c'est pas du tout les médias qui me feront peur ou bien qui vont me stopper à aller là-bas. En tout cas, c'est bien. En tout cas, je trouve que c'est un pays sécurisant. Merci beaucoup. بالنسبة للمغرب، المغرب بلد جميل وبلد سياحي وإحنا يعني من عشاق المغرب وسنويا إحنا كل سنة بالعطلة ديالنا نروح للمغرب نقضي العطلة ديالنا مع الأهل والأقارب والمغرب بلد جميل حقيقة. زين بزاف. زوين و ديما كنمشيو ليها في السنه نمشيو 2 مرات ونبقاو بزاف زوينه واحنا نختار المغرب كثير لان المغرب بلد امن ونحس نفسنا يعني بين اهلنا والناس ديالنا هناك وامان كثير يعني الحمد لله والشكر يعني الله يحفظ المغرب واهل المغرب. بالنسبه للمغرب واش بلد امن ولا لا، على ما تنظن بان المغرب تطور مزيان من الناحيه الامنيه حيت ولا الامن بزاف. وانا عاد جيت من المغرب تقريبا الاسبوع اللي فات وتن يعني كاين الامن، يمكن لك تخرج في الليل يعني ما كاين حتى شي خطر. وتنظن بان حتى السلطات الامنيه في المغرب دايره العمل ديالها مزيان باش تحافظ على الامن والامان ديال المواطنين المغاربه. وتنتمنى بان هذا الشيء يزيد يتطور اكثر باش نكونوا مرتاحين في البغريد ديالنا اكثر ونرتاحوا اكثر. وان شاء الله تلاحظ بان كاين تغيير وغادي يكون ان شاء الله مستقبل مزيان في المغرب. شكرا. Donc moi je trouve que le Maroc est totalement un pays sécurisé, dans le sens où ma famille habite là-bas, tout se passe super bien, les gens sont même plus polis qu'ici, il y a plus de sécurité qu'ici, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-bas. On dit souvent que le Maroc est les Marocains, voilà, faut pas faire d'amalgame non plus entre ce qui s'est passé à Paris et les musulmans, enfin comment dire, entre les musulmans terroristes et les autres musulmans, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Ma famille vit là-bas depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais eu de problème. Ils sont accueillis comme des princes. Le Maroc est un des plus beaux pays du monde. Donc, moi, je pense que vraiment, les gens exagèrent. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a eu un attentat, que c'est comme ça partout. Voilà, c'est ce que je pense. Toi, tu penses ? Merci. Et toi, t'en penses quoi ? Ben, moi, je pense que tout a été dit, tout a été clair. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que ma copine vient de dire. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Et puis, entendu que moi, je suis africaine, je ne vais pas défendre... Pour moi, c'est mes frères, donc je ne vais certainement pas dire le contraire de ce qu'elle vient de dire. Donc, voilà. D'accord.